Oui, je m'appelle Boubacar Ba. Je travaille dans le centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, au Mali. Je voudrais parler du Sahel en crise et puis des transitions politiques. La crise sécuritaire au Mali, depuis 2012, a engendré des défis sécuritaires, des défis politiques et des défis de gouvernance. Donc, le coup d'État a accélérer l'occupation du nord du pays par des groupes armés indépendantistes et puis djihadistes, dont l'origine part du Moyen-Orient après les événements de septembre 2001 avec l'attaque du World Trade Center, et de l'Afghanistan, de la Syrie, des printemps arabes et la crise algérienne. Donc, cette situation a engendré des conflits récurrents, des conflits émergents, des conflits persistants et des conflits globaux. Donc, dans les conflits globaux, c'est cette mutation du Moyen-Orient au Sahel où nous avons vu la sanctuarisation des groupes armés au nord entre 2012, après 2012 et puis après 2015. La Katiba Matina s'est installée dans le centre du Mali avec des multiples ramifications et puis des conflits entre Katiba Matina et Dawlat al-Islamiyya, c'est-à-dire à travers le JNIM, le groupe de soutien à l'islam aux musulmans, et puis l'État islamique au Grand Sahara, qu'on appelle Daesh. Donc cette situation s'est accentuée. Et l'Europe aujourd'hui a envie d'aider à contrer l'action des groupes terroristes et djihadistes à travers des missions comme GERSI, comme EUTM, comme ECAP Sahel. Et face à ces réponses, les crises s'accentuent, les repositionnements politiques deviennent importantes, au Mali surtout, avec l'arrivée de la Russie et le départ de Barkhane. Donc voilà des enjeux aujourd'hui qui sont importants, qu'il faut analyser à l'aune des relations Europe-Sahel dans un contexte de crise généralisée.